Est-ce que, d'ailleurs, ce n'était de vous parler de l'absence de référence à la problématique kabyle, en dehors des Oui. écrits des autonomistes ou les chaînes, Ou soit l'ESH. chez les partis Ahmed Ou l'ESH. l'UFFS, Ahmed l'RCD. Et vous remarquerez d'ailleurs, moi c'est curieux, entre la Kabylie a toujours été utilisée pour régler des problèmes qui n'ont rien à voir avec le combat kabyle, n'est-ce pas? Qui n'ont rien à voir avec nos intérêts. Et voilà, ça continue, c'est-à-dire un clan utilise le RCD, un autre clan c'est avec le FFS. Bon, j'espère qu'ils vont pas, que le champ de bataille ne va pas se situer dans la Kabylie, auquel cas, Adem Senraché. Mais voilà, c'est-à-dire ça continue cette histoire, quoi. Donc la Kabylie, c'est l'instrumentalisme. Pour l'instant, non, la Kabylie, Soura, elle refuse d'être instrumentalisée. Ce qu'il y a de nouveau, Soura, en Kabylie, c'est que nous t'avons à l'arraché. Enfin, j'ai l'impression qu'on nous t'avons à l'arraché. Donc, Zikadikar Saïd Saadi, c'est des milliers de personnes qui suivent. Hein. Soura, non. Adikal FFA, c'était des milliers de personnes qui suivent. Soura, non, la Kabylie ne suit pas. Mais on continue, mais ces partis restent encore dans des clans. Et d'ailleurs, donc. Ou instrumentalisés, ou ils sont vraiment partie prenante hein, de chacun des clans. Que la Kabylie finalement n'est pas malade de ses dirigeants, de ce leadership, un Oui, Koulioune sans doute, bien sûr. De ce, les problèmes de personnes, Kouliou, Nivra, le roi des Berbères. Voilà, mais c'est Ivradi sûr que c'est un Jvedi, problème.